Né à Marseille, c'est à Paris que Samir Boitard commence sa carrière en suivant une formation au conservatoire du 17e arrondissement avec Michele Garret. Son premier rôle lui sera confié par Marina Devane pour le court-métrage « L'épicerie », présenté à Cannes lors des Jeunes Talents Canada mi-2003. C'est lors de cet événement qu'il sera repéré par son premier agent, et commencera à interpréter de petits rôles pour le cinéma. Il sera ainsi à côté d'Albert Dupontel dans Président, et donnera la réplique à Jean Reno dans C'est à dollar achat avec Jean Dujardin. C'est cependant la saison 2 d'Engrenage, série Canal+, qui lui permettra de se révéler totalement au grand public. Il y campe le personnage de Sami Bouchara, flic infiltré à la Donnie Brasco au milieu d'un gang de dealers. Il y reviendra dans la saison 4 grade et au titre de capitaine. En 2011, il obtient le premier rôle pour le téléfilm de Fabrice Cazeneuve intitulé « Chien de guerre ». Lors de la projection de ce film au cinéma Max Linder à Paris, Samir sera repéré pour le prochain long métrage de Mohamed Lac Daramina, chronique des années de braise, Palme d'or à Cannes en 1975, sur le thème de la guerre d'Algérie. Il y interprète un des trois rôles majeurs, aux côtés de Nicolas Bridet et Laurent Hennequin. Passionné d'art martial, Dahara, Samir y trouve de nombreuses sources d'inspiration pour sa vie, sa créativité et sa carrière.